Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend la dernière fois dans le walkthrough de Wargame Red Dragon. Précisément, on va commencer la deuxième campagne qui s'intitule Ours versus Dragon. Et nous incarnerons cette fois-ci la Chine. Mais avant de lancer justement cette campagne, je dois vous montrer quelque chose dans le didacticiel que je conseille à tout le monde d'aller voir. C'est dans le support naval, je conseille à tout le monde de bien apprendre, de regarder différents navires. Bon, il y a tous les navires du jeu. Et d'apprendre où sont les systèmes, notamment de défense, d'interception pour les missiles. Notamment là, ces systèmes d'interception sur les missiles sur ce navire-là, sur ce côté-là. Plus les canons, les deux canons-là, plus les systèmes de missiles. Et les missiles anti-navires sont là, et les systèmes anti-avions sont ici. C'est très important de savoir ça, étant donné que durant la campagne, on va maintenant stacker à des batailles navales en plus. Et le plus important, c'est vraiment de connaître comment positionner optimalement votre navire, notamment pour se défendre ou pour attaquer l'ennemi. Et y comprendre multijoueur, ça peut être important. Mais tout de suite, nous allons commencer cette campagne et je vous laisse avec la cinématique, on se retrouvera tout de suite après. Donc je vous dis à tout de suite. Bon. J'ai oublié ça. Alors que le conflit sino-vietnamien poursuit son escalade, l'URSS commence à masser des troupes à la frontière chinoise dans l'intention manifeste de poignarder la Chine dans le dos. Excusez-moi, je suis un peu malade. La Chine attendra-t-elle d'être écrasée par la faucille et le marteau, ou le dragon affronta-t-il l'ours avant que ce dernier ait achevé ses préparatifs? Nous incarnerons la Chine, la Corée du Nord viendra nous aider, mais l'URSS sera contre nous. Et nous lançons tout de suite. November 3rd, 1978. Vietnam and the USSR sign a mutual defense treaty aimed at containing China's influence. December 25th, 1978. 2 months later, with Soviet support, Vietnam launches a full-scale invasion of Cambodia, China's ally. January 1st, 1979. Deng Xiaoping meets Jimmy Carter, seeking American support against Vietnam. February 15, 1979. China terminates its 30-year-old Treaty of Friendship, Alliance, and Mutual Assistance with the USSR. February 17, 1979. China invades Vietnam and warns the USSR not to interfere. February 1979. Nonetheless, the USSR sends warships and naval troops to Vietnamese waters and calls in mechanized troops to the Sino-Soviet border. Late February 1979. With its offensive bogged down in Vietnam, China realizes it can't afford to let the USSR get the upper hand and stab it in the back. March 2nd, 1979. Taking advantage of the absence of a main naval squadron and the incomplete buildup of Soviet forces, the PLA launches a surprise attack. Their objective: seizing and destroying the main Soviet supply base at Vladivostok. Donc je m'excuse encore des freezes, mais je n'y peux rien, c'est malheureusement un bug du jeu. Ça freeze de temps en temps durant une cinématique, donc je m'en excuse encore. Je pense que ça vient en partie du jeu, mais ça vient aussi en partie de moi. Donc voilà, je m'en excuse. Camarades, commandant, nos informateurs sont formels. L'URSS pourra nous attaquer ici d'ici quelques semaines. Le Politburo a donc décidé d'une offensive surprise en vue de s'emparer de leur port stratégique. Vous attaquerez donc au plus vite les unités soviétiques et vous emparez de Vladivostok avant que l'ennemi ne puisse ravir. Ça permettra à nos alliés nord-coréens de nous prêter main forte. Ensuite, vous poursuivrez votre progression vers l'est pour sécuriser Kavalerovo sans perdre Vladivostok. Toutes opérations devraient être conduites en moins de 18 jours. Je vous conseille fortement de vous emparer des aérodromes ennemis les plus proches, disposer vos appareils, neutraliser la suprématie. La supériorité aérienne adverse. Dans Zhao Xiang, des précisions à apporter. Merci, général. Commandant, je tenais à vous rappeler que faire de lance offensive est un régiment blindé qui devrait obligatoirement se reformer après un long déplacement. Vous devez donc choisir immédiatement avec vos bataillons d'infanterie ou attaquer le jour suivant avec l'appui de vos chars. C'est une décision importante. Réfléchissez bien. Alors, je vous explique. Voilà. Vous avez différents points d'initiative. Un déplacement vous coûte 2 points d'initiative. Donc,
Si je me déplace là, regardez, je vais vous montrer. Voilà, voilà, voilà. Lui il a plus de points d'initiative, donc il ne peut pas attaquer. Et lui il peut attaquer. Ce bataillon peut aussi attaquer. C'est pour ça que dans la mission précédente, on ne pouvait pas avoir accès aux chars qu'on se déplaçait parce que. Commandant, je vous rappelle qu'une fois. Ah, la mer et troupes de marine de la glorieuse Corée peuvent se déplacer comme des navires avant de débarquer sur terre. Cela devrait vous permettre de mettre en place une stratégie d'attaquer en tenaille sur Vladivostok. Excusez-moi, Ouglad. Une stratégie d'attaque en tenaille sur Vladivostok. Je m'en excuse que je suis vraiment fatigué avec mes aéries. Donc, comme je voulais dire, c'est donc très important niveau de vos unités de faire gaffe à l'initiative de vos troupes. Il me faut les deux escadrilles supplémentaires. Voilà. Et il me faut. Voilà. Vous constatez que je fais une énorme force de débarquement. Vous comprendrez très vite pourquoi. Ce qui est important, là je vais vous montrer le terrain parce que c'est vraiment. J'ai vraiment joué vite. C'est important. Vous constatez que cet aérodrome ne peut avoir accès que par ici. Les unités de ce secteur-là ne peuvent aller qu'ici, ici ou ici. Mais les hélicoptères peuvent traverser de l'un à l'autre. Donc ma stratégie c'est en fait avec ce troupe-là de rapidement se prendre ce secteur à ce tour-là, prendre ici. J'aurai un débarquement simultanément là. Avec ce débarquement, je montrerai une attaque sur cet aérodrome là. Ici, j'apparaîtrai de nouvelles troupes qui monteront ici et ici. Le but étant de prendre rapidement cet aérodrome là. Ce qui évitera en fait toute intervention du nord. Ces troupes là redescendront et viendront renforcer ici avec les troupes là. Donc j'aurai une immense armée ici. Et après, j'irai je contre-attaquerai durant ce col là. On voit sur le papier la stratégie. Bien évidemment, il peut y avoir des changements en cours de partie. Et nous, on va tout de suite attaquer ce bataillon parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Hein. Parce que, comme toujours, le plus important, c'est dans cette mission, en fait, plus vous prendrez vite du territoire, mieux ça sera. Parce que de 1, vous aurez plus de ressources que l'adversaire. Ce qui est logique parce que plus vous êtes secteur de comment on appelle ça des secteurs comment ça s'appelle ces secteurs là oula, je sais plus du tout, je m'en excuse, j'ai un trou de mémoire, je cherche le nom du secteur de secteur donnant des points de commandement. Ben, je sais plus le nom en fait que c'est les points de commandement. Les points des secteurs que ça vous rapporte. Donc plus vous avez de secteurs qui vous rapportent donc des points, plus vous pourrez en gros appeler rapidement des troupes pour tenir l'adversaire. Ce qui est aussi très important en début de partie, c'est assez dur, notamment avec les troupes qu'on a. Mais votre armée reposera énormément sur la mobilité au début. Vos chars ne combattront quasiment pas. Ça, je vais pas vous mentir. En tout début de partie. Parce que tour 1, je prévois déjà de prendre l'aérodrome. Hein. J'ai déjà prévu de prendre l'aérodrome au tour prochain. On est au tour 0, donc. C'est quand même à prendre en compte. Mais en plus de vouloir prendre rapidement position vers les ennemis, je compte si possible en fait déployer rapidement en fait des. Comment on appelle ça? Des avions. Je compte rapidement déployer ces avions sur justement le deuxième aérodrome sur à côté de Vladivostok. Pourquoi cet aérodrome étant donné que c'est le un peu l'aérodrome central de la partie. C'est celui qui est mieux situé en fait.
dans cette campagne. Donc il est très important. J'ai pas un transporteur, c'est pas grave. Bon, c'est pas dur du tout, hein, je vais pas vous mentir. Et comme c'est simplement vos transporteurs, hein, que je vous rappelle que tout transporteur perdu fait vous fera perdre l'infanterie pour la mission suivante. Donc devoir rééquiper, c'est gênant. Hein. Et l'ennemi n'a pas de blindés, il a uniquement des bataillons anti-chars. Ce qui devrait être plutôt simple pour vous. Tu m'as dit plutôt. Hop. Et de même, attendez, je vous présente comme estade de sanité, c'est l'infanterie réserviste en fait. De l'armée de la Chine. Justement. On peut voir ça parce que c'est un entraînement de milice. Bon, c'est pas les. C'est l'une des pires unités du jeu, hein. Je vais pas vous mentir. Mais du fait qu'ils soient nombreux et qu'ils ont des armes automatiques, ça compense légèrement leur faiblesse. Donc, ça avance. On va accélérer un peu le temps parce que. Après, perdre un ou deux transporteurs, il n'y a pas encore mort d'homme, je vais pas vous mentir. Je suis en vitesse rapide aussi pour ce. Voilà, vous pouvez changer la vitesse pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Je vais pas vous mentir, mon objectif était vraiment de prendre cet emplacement là. Je me suis planté de groupe de contrôle. J'ai mis le groupe sur deux et non pas sur un. C'est pas grave. Et va tout l'importance des mortiers. Attention pour vous occuper des infanteries ennemies et des transporteurs d'infanterie. Et vos transporteurs sont très efficaces contre les BTR. Pour information, étant donné que c'est des BMP, c'est équivalent des BMP russes, donc équipé d'un canon et d'un ATGM. Et là, c'est uniquement équipé d'une mitrailleuse. Donc, quand vous portez, vous êtes largement plus fort. Et je vais mettre un barrage de fumigène, comme ça évitera que l'ennemi puisse continuer à tirer sur mes troupes.
Voilà. Voilà, c'est quasiment déjà fini après la bataille, vous constatez que c'est plutôt simple. Hein. Après tout, c'est le début de la partie, donc c'est normal. Et voilà. Comment on fait la première attaque. Et fin de tour, quand nous verrons ce que l'ennemi nous prépare. Et ça fait... C'est pas longtemps qu'on est ensemble. On va faire encore la bataille navale. Vous voyez, j'ai quand même appelé toute... J'ai toute ma flotte, là, pour information. Vous pourrez pas avoir plus de navires que ce que j'ai, là. Je vous ferai cette bataille navale durant cette partie-là, puis après, on se quittera, hein, parce que j'ai quand même pas envie de trop avancer pour la suite. Et bataille navale, ce qui compte, c'est pas la qualité des troupes, c'est le spam de missiles. C'est direct. Et pour le spam de missiles, la meilleure unité du jeu, je vais apprendre quand même, c'est le Mosquite. Donc, le Gouda et le Nadjin, c'est en gros vos navires pour capturer le secteur naval. Vous voyez que c'est exactement comme le terrestre, ça peut vous permettre de capturer le secteur. Le Mosquite est spécialisé uniquement dans l'attaque des navires ennemis. Il est équipé de 4 missiles, sauf que, vous voyez, 140 d'AP. Très bien, 140 d'AP. On prend un Sovereigny, 250 de vie. À la différence près qu'il tire ses 4 missiles simultanément. Si vous préférez, c'est la meilleure unité déjà de 1. Si son missile touche un navire ennemi, la grande majorité de navires sont quasiment déjà morts. Je prends un Gouda, il reste 10 PV. Je prends un Nadjin, il se fait one shot. Ah non, excusez-moi, 180, c'est pas ce navire là qui se fait one shot. Un Nuska, voilà, par exemple. 80 PV, se prend un missile, il meurt directement. Il coûte 60 points, donc ça veut dire quasiment rien. Et il tire 4 missiles d'un coup. Voilà, c'est l'unité la plus. L'une des unités plutôt la plus fumée du jeu. Après, il y a quand même une Anuska qui est quand même plutôt bien. Hein, 160 d'AP. Bon, il tire par sac de 2, mais bon, 60 d'AP, 60 de précision. Donc, non, je peux vous rassurer, c'est très important. Et niveau navire, parce que après, il faut bien aller aussi niveau pour se défendre des ennemis. Hein. Une chose très importante, c'est le SI-SWIX, en gros le système d'interception de missiles avancé. Vous avez beau ne pas avoir le meilleur système d'interception, plus vous avez de navires, plus vous, plus vous pourrez intercepter de missiles. Excusez-moi, j'ai un peu mal à parler. Bon, malheureusement, mes missiles ne sont pas précis du tout. Vous voyez, j'ai beau avoir qu'une précision moyenne, qu'une interception moyenne, j'arrive quand même à intercepter les missiles, étant donné que j'ai un grand nombre. Et le but, voilà, c'est par exemple de spammer de navires pouvant intercepter les missiles. Par exemple, des navires à 60 points, 75 points, qui sont spécialisés uniquement dans l'interception de missiles. Ou... Et quand vous avez ça, parce que quasiment tout le monde joue comme ça en aval, hein, personne qui a un certain niveau, c'est vous spammez d'unités missiles. Ouais. Faut vous mentir, voilà. Moi dans ma flotte là, suffit qu'il y ait plein de missiles qui arrivent d'un coup, ben, je peux vous dire que je perds ma flotte, elle aura de lourds dégâts. Ce qui est malheureusement un gros défaut du jeu. Il faut bien que le jeu ait des défauts. Là, j'appelle plein de mosquites parce que, bien évidemment, on veut utiliser quand même la meilleure arme que nous avons pour nous pour quand même couler le navire.
Il y a un des navires les plus forts du jeu. Oui. Faut quand même le dire. Sovereigny, bon, vous m'entendrez peut-être l'appeler Sovereign. Excusez-moi, c'est. J'ai tellement joué à Mass Effect que ça reste. Donc ce navire-là est l'un des navires, l'un des deux navires les plus puissants du. Oh les mosquites, vous avez tiré sur un mauvais navire. C'est pas grave. Et il est. Oh, ils ont tout intercepté, waouh! Là, ils m'ont impressionné. Vous avez beau avoir un meilleur système d'interception de missiles, quand vous prenez 4 missiles simultanément, le Gouda est endommagé, bon. Avec tous ces missiles, je peux vous dire qu'il va mourir. Et voilà. Là, je vous présente comment se résume la vague. C'est triste, mais bon, voilà. C'est. On utilise le jeu, voilà. C'est. Le jeu est prévu comme ça, ben on en profite, après tout, voilà. C'est. C'est désolant de voir ça, mais voilà, on va profiter quand même de ce que nous offre le jeu. Et voilà, vous faites plein de. Notamment, là, du côté. Du côté Red Fort, vous spammez une mosquite. Quand je dis vraiment spammer, vous voyez, par exemple, là j'en ai 20, vous mettez 20 mosquites. En multijoueur, vous n'en aurez pas 20, mais en gros 10. Ce fait que vous savez un peu les gérer, bah vous pouvez facilement détruire une flotte ennemie avec que cette unité là. Et voilà comment on détruit aussi deux avions ennemis. Voilà, comment aussi vous perdez un navire. C'est pas grave si vous perdez un navire, honnêtement. C'est pas grave. Vous les reformerez si besoin, et encore durant cette campagne, avoir des navires en plus, vous n'en aurez techniquement pas besoin. Voilà, et ma flotte de mosquite est prêt à partir au combat. Donc maintenant. Bon, en aval, je vous présenterai après l'avantage d'avoir un navire de rivière. Bon, je vous l'ai déjà montré dans la campagne précédente. Mais ces navires-là, en fait, sont surtout utiles pour intercepter en. Bon, déjà, pour parce que c'est des navires de rivière. On peut aller sur les fleuves, donc les rivières. Oh là 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 là. J'avais oublié qu'ils avaient ce navire-là. Qui bouge pas. C'est pas grave. Donc ces petits navires là, si vous avez un navire, d'ailleurs, j'y pense tout de suite avant d'y aller, les missiles anti-navires ne peuvent cibler que les navires d'une certaine taille. Si votre navire est par exemple trop petit, votre navire ne peut pas être ciblé par un missile. Deuxièmement, ces navires là, comme j'ai dit, sont très efficaces contre les hélicoptères, notamment les avions. Parce que vous mettez ça par exemple devant une flotte, comme, en nombre. Un ou deux, c'est nul. En nombre, parce que ces navires assez petits, de mémoire, ils ne peuvent pas être ciblés par. Oh non, ils ont tiré. Non. D'accord. Vous voyez. Voilà, ça permet en fait de faire un mini bouclier. Bon, j'ai coulé. J'ai pas pu dégommer leur deuxième navire, donc je m'en veux. Je m'en veux drôlement. Mais bon, je vais vous montrer ce que je vais prévoir le tour prochain. Ce que je vais prévoir dans la prochaine vidéo. Un débarquement ici. Je me suis loupé, excusez-moi. Débarquer ici.
débarquer ici. Donc j'aurai deux groupes de débarquement ici. Mon bataillon de tank me servira à rien étant donné que je vais attaquer uniquement avec ces troupes là au nord. Vous voyez, hein, des T-34, DSU. Et pour vous faire saliver, je vais vous montrer quand même les maps qui nous attendent. Hein. Voilà, cette map-ci. Et cette map-ci. Donc quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien. Et je vous dis à ciao tout le monde.